Et ce, bien entendu. Amnesty International estime que les dirigeants mondiaux doivent agir de toute urgence pour faire face à l'évolution de la nature des conflits et pour protéger les civils des violences atroces perpétrées par des États et des groupes armés, et ce à l'occasion du lancement de son bilan annuel de la situation des droits humains dans le monde. Cette année a été une année de souffrance pour des centaines de milliers de personnes dans des conflits armés, en otage avec des groupes armés, les réfugiés qui n'arrivent pas à être reçus dans de conditions décentes dans un grand nombre de pays. C'est pour ça que Amnesty International lance un appel à la communauté internationale pour changer le droit de veto. Pour des raisons de conflits d'intérêts particuliers ou d'opportunisme politique, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est montré incapable de résoudre les crises et les conflits qui ont touché Gaza, l'Irak, Israël, la Syrie et l'Ukraine, et cela préoccuperait beaucoup l'organisation. Concernant la situation en Algérie, la directrice d'Amnesty International Algérie s'inquiète particulièrement des droits à la liberté d'expression qui seraient, selon elle, des plus menacés. L'Algérie, c'est la question des libertés d'expression, de réunion et de manifestation. La loi d'association, à laquelle nous n'avons toujours pas d'agrément, comme bien d'autres associations, il faut bien que l'État algérien comprennent. La société civile n'est pas un ennemi. Amnesty a conclu en lançant un appel aux États et à la communauté internationale afin de combattre l'impunité et à la mobilisation en 2015 pour changer les choses, estimant que c'est ensemble qu'on y arrivera.